Allez, un bonus sous forme audio dans les trucs astuces pour faire du pain. Ce que j'ai pu expérimenter qui marche très très bien, c'est d'essayer une levée longue, c'est-à-dire plus de 12 heures de levée. Alors ça, c'est pas possible à température ambiante. Il faut simplement, au moment où on fait le pain, la panification, que la première levée, eh bien, on la mette au froid, donc au frigidaire, recouvert dans un saladier avec un torchon bien fariné. Et même ce que je fais, c'est que je mets un film plastique alimentaire sur la boule pour pas que ça sèche trop. Et on le laisse 12 heures. Et au bout de 12 heures, on récupère. Et puis on laisse petit à petit revenir à température ambiante. Et on fait la deuxième levée. Et on met à cuire comme sur la modalité normale. Intérêt de la levée longue, eh bien, cette levée va permettre aux bactéries, à la fermentation, de casser beaucoup plus finement toutes les brins de gluten. Or, c'est ce qui est difficile à digérer, c'est ce qui peut provoquer des intolérances. Et donc, au plus le gluten est pré-digéré, pré-mâché pendant la levée, au plus le pain va être digeste. Voilà. Et bien sûr, j'attends vos photos de vos plus belles réalisations de pain.